Thank you.
Shit.
Mon nom est Juliette Dudley. Et depuis ma plus tendre enfance, je suis une rêveuse et une visionnaire. Je me dois de raconter les événements tels quels, sans essayer d'en analyser les causes. Près de chez moi s'étend une étrange vallée boisée, aux profondeurs crépusculaires, au creux de laquelle je passais des heures entières à lire, penser, rêver. Je parlerai seulement de la tombe solitaire, dans le recoin le plus sombre des forêts, à flanc de coteau. La tombe déserte des Hyde, une famille ancienne et de haut rang dont le dernier descendant direct avait été enterré là, obscurément, plusieurs décennies avant ma propre naissance. La sépulture est taillée dans un vieux granit rongé par les intempéries. La porte en pierre, massive, effrayante, recouverte de dépôts visqueux, s'appuie sur des gonds de fer rouillés. Elle est maintenue étrangement entrebâillée par des chaînes et des cadenas de fer. La demeure de la famille, dont les membres reposaient là, fut ravagée par la foudre et les flammes. C'est à voix basse, anxieusement, que les vieux habitants de la région évoquent parfois, sous le terme mystérieux de « colère divine », cet orage de minuit qui détruisit le triste château. Seul un homme avait péri dans cet incendie. Jamais je n'oublierai cet après-midi où je trébuchais pour la première fois sur cette maison de la mort, à demi enfouie dans l'ombre. Dans de tels lieux, l'esprit perd son objectivité. Le temps et l'espace deviennent futiles, irréels. Des échos d'un passé oublié, d'avant l'histoire, viennent frapper avec insistance la conscience captivée. Tout le jour, j'avais erré à travers les bosquets de la vallée. Après m'être frayé un chemin entre deux massifs de bruyères sauvages, je me trouvais brusquement à l'entrée du caveau, ne sachant rien encore de la nature de ma découverte. Je scrutais à travers l'entrebâillement de la porte l'intérieur froid et humide, et, pendant mon attentive observation, naquit en moi, non pas la notion de mort ou de décadence, mais une bien étrange impulsion. Poussée par une voix surgie sans doute de l'âme hideuse de la forêt, je résolus de m'enfoncer dans l'obscurité qui me faisait signe, au mépris des lourdes chaînes qui me barraient le passage. Dans la lumière déclinante du jour, je secouais avec fracas les obstacles rouillés qui entravaient mon chemin, afin de pousser la porte de pierre et tenter de glisser mon corps mince dans cet espace. Mais en vain. Devant mon échec, ma curiosité se transforma en colère. Au crépuscule, je décidai de rentrer chez moi. Mais j'avais auparavant, dans ma rage, juré à tous les dieux du petit bois que quelques jours, à n'importe quel prix, je pénétrerais dans la pénombre du sépulcre, dans ces glaciales profondeurs qui semblaient m'appeler. Je restais assise, devant, jour après jour, des heures durant. J'éprouvais une sorte d'enchantement à humer l'odeur répugnante de l'endroit qui, singulièrement, semblait évoquer au fond de moi des souvenirs enfouis dans un passé au-delà de toute mémoire. Remontant sans doute à une époque où je ne possédais pas encore le corps que j'habite à présent. Plus tard, me persuadai-je, j'aurais acquis la force ou l'ingéniosité qui me rendrait capable d'ouvrir cette porte. Pour le moment, il me fallait me conformer aux impératifs du destin. Cependant, l'idée d'entrer dans le tombeau ne m'avait jamais quittée, car mes recherches généalogiques m'avaient révélé une vérité aussi excitante qu'inattendue. Mes propres ancêtres paternels avaient un lien de parenté avec la famille prétendument éteinte des Hyde. J'étais moi-même la dernière de cette lignée mystérieuse. Je commençais à penser que cette tombe était mienne. Peu à peu, j'atteignais ma majorité. Au cours des ans, j'avais défriché le petit fourré à flanc de coteau qui dominait la tombe. Je m'étais construit d'un temple qui n'était qu'à moi et dont la porte fermée constituait le reliquaire. Je m'étendais là, sur le sol moussu, rêvant à des choses étranges et singulières. La nuit de ma première révélation fut une nuit étouffante. J'avais dû m'endormir de fatigue, parce que j'eus la nette impression de m'éveiller d'un profond sommeil lorsque j'entendis les voix. J'hésite à les qualifier, à parler de leurs accents et de leurs timbres. Je dirais seulement qu'elles avaient une prononciation et qu'elles employaient un vocabulaire bien particulier. Sur le moment,
mon esprit fut tout simplement fasciné par un phénomène si éphémère que je ne saurais jurer de sa réalité. Je venais d'apercevoir, me sembla-t-il, une lumière qui avait été éteinte à la hâte dans les profondeurs du tombeau. Je ne pense pas avoir été aucunement frappé de stupeur, mais je sais que cette nuit-là, quelque chose en moi a changé, d'une façon définitive. En retournant chez moi, je me dirigeais sans hésiter vers un coffre qui pourrissait dans le grenier, et dans lequel je trouvais la clé qui, le lendemain, me permit sans encombre de franchir l'obstacle qui avait si longtemps entravé mon désir. Ce fut dans la douce lumière d'un après-midi finissant que j'entrai pour la première fois dans le caveau. J'étais comme ensorcelée, et mon cœur bondissait dans une exultation quasi maladive. Après avoir fermé la porte derrière moi, je descendis les marches ruisselantes, à la lumière d'une faible bougie. J'eus immédiatement l'impression de connaître le chemin, et malgré le grésillement de la bougie, dû à l'atmosphère viciée de l'endroit, je m'y sentais singulièrement à l'aise. Dans une alcôve se trouvait un coffre vide, bien conservé, décoré des lettres d'un nom qui me fit à la fois sourire et trembler. Une impulsion bizarre me poussa à grimper sur la dalle étroite, à éteindre ma bougie et à m'étendre dans la boîte vide. Dans la lumière grise de l'aube, je sortis en chancelant du caveau et bouclai la chaîne derrière moi. Je n'étais plus tout à fait une jeune femme, car 21 hivers avaient déjà refroidi ma délicate charpente. À partir de ce jour, chaque nuit je me rendis à la tombe. Je vis, j'entendis, j'accomplis des choses que je dois oublier. Ma manière de parler fut la première à subir un changement. Mon comportement devint celui d'une femme qui connaît la vie. Ma réserve s'effaça pour laisser place à la volubilité. Un matin, alors qu'en sortant de la tombe, je refaisais surface à la lumière du jour et refermais la chaîne, j'aperçus, au fond d'un fourré voisin, le visage redouté d'un observateur. La fin de mon aventure approchait, sans nul doute, puisque le but de mes pérégrinations nocturnes venait d'être révélé. Mes séjours dans la tombe allaient-ils être dévoilés au monde ? Imaginez combien ma surprise fut agréable lorsque j'entendis cet espion raconter à voix basse que j'avais passé la nuit dans la charmille qui entourait la sépulture. Par quel miracle l'observateur avait-il pu ainsi se tromper ? J'étais à présent convaincue d'être protégée par une puissance surnaturelle. Je décidai de me rendre désormais à la tombe tranquillement, pour ainsi dire à découvert, puisque j'étais persuadée que personne au monde ne pouvait m'y voir pénétrer. Pendant une semaine, je goûtais avec plénitude la joie de ces plaisirs charnels que je dois taire, quand soudain, la chose se produisit. Oui, cette nuit-là, j'aurais dû me garder de mettre le nez dehors, car les nuages avaient la couleur d'orage. Le ciel tout entier était menaçant. L'appel des morts lui-même avait changé. Ce soir-là, il ne venait plus de la tombe, mais de la cave calcinée au sommet de la colline. Comme je sortais d'un fourré et abordais la plaine qui s'étend devant les dernières ruines de l'antique demeure, il se produisit ce que toute ma vie j'avais attendu. Sous le brumeux clair de lune, je distinguais la demeure disparue depuis un siècle qui se dressait à nouveau dans toute sa splendeur. Toutes les fenêtres étaient illuminées de bougies, tandis que dans la longue allée, de luxueuses voitures à chevaux déversaient les plus hauts personnages de l'aristocratie bostonienne et que, richement vêtus, une assemblée nombreuse de gentilshommes poudrés arrivaient à pied des demeures voisines. Je me mêlais à cette foule, sachant au fond de moi que j'étais l'hôte et non point l'invité. Je reconnus plusieurs visages que j'avais déjà vus à demi dévorés ou rongés par la mort et la décomposition. Soudain, un bruit d'orage résonna plus fort encore que nos cris, et la foudre fit voler le toit en éclats et répandit la panique au milieu de cette tapageuse compagnie. Des langues de flammes et de suffocantes fumées s'engouffrèrent dans la maison. Les noceurs, frappés de terreur devant cette calamité dont la violence semblait surnaturelle, s'enfuirent en hurlant dans la nuit. Je restais seule, clouée sur mon siège, dans un effroi inconnu. Puis une autre terreur m'envahit. Réduit en cendres, je vis mon corps dispersé aux quatre vents. Cela signifiait que jamais je ne reposerais dans la tombe des Hyde. Ce cercueil, pourtant, ne m'était-il point destiné ? Je réclamerais mon héritage même si mon âme devait errer des siècles durant.
Tandis que le fantôme de la maison en flammes s'estompait devant moi, je me sentis saisie par deux hommes forts. L'un d'eux était l'espion du fourré. Je hurlai et me débattis comme une forcenée pour échapper à leurs puissantes poignes. Il tombait une pluie torrentielle et des éclairs zébraient l'horizon. Mon père, dévoré de chagrin, était tout près de moi. Tandis que je criais à ces hommes de me déposer dans ma tombe, mon père leur demanda de me traiter avec la plus grande douceur. Un cercle noir, sur le sol de la cave en ruine, indiquait l'endroit où la foudre avait frappé. Là, quelques villageois curieux trouvèrent une petite boîte ancienne, ouvragée, que la foudre avait déterrée. C'était une miniature sur porcelaine reproduisant une jeune femme et dont les initiales étaient J.H. Son visage, j'aurais pu tout aussi bien le reconnaître dans mon miroir. Le lendemain, on m'étendit dans cette pièce où les fenêtres ont des barreaux. Personne ne croit en mes récits. Mon père affirme que je n'ai jamais franchi le portail enchaîné. Mais Hiram me garde sa confiance. Il y a une semaine, il a fait sauter la chaîne du portail de fer et a descendu les marches de la tombe, s'éclairant d'une lanterne. Sur une dalle, dans une niche, il a trouvé un vieux cercueil vide dont la plaque ternie porte le prénom Juliette. Ils m'ont promis que je serai ensevelie dans ce cercueil. Dans cette tombe.